Merci de nous avoir conviés dans cette journée professionnelle concernant le livre audio à laquelle nous participons depuis le départ. L'intérêt de l'Institut français dans le livre audio s'est démontré depuis quelques années déjà et on va vous expliquer sous quelle modalité cet intérêt se décline dans nos actions. Je reprécise pour chacun présent ici que fait l'Institut français et qu'est-ce que l'Institut français dans le monde. Donc l'Institut français, c'est l'opérateur de l'État pour tout ce qui est coopération culturelle bilatérale dans le monde. L'Institut français qui est à Paris, dont le siège est à Paris, accompagne l'ensemble du réseau culturel français à l'étranger dans les enjeux de coopération culturelle. Moi, je suis responsable du pôle livre et édition. Ça veut dire que j'accompagne l'ensemble du réseau culturel français à l'étranger sur tous les enjeux livres. Ça se décline dans trois axes d'action prioritaires. Un, vous m'entendez pas à l'étranger? Si? Ok, très bien. Vous pouvez dire si vous m'entendez, Marianne? Je précise qu'on est en duplex avec quatre postes. Moi, je n'entends pas très bien. J'entends comme si elle n'arrêtait pas de bouger devant le micro. C'est comme si elle était éloignée. Alors, je ne suis pas encore tout à fait une grenouille en train de sauter. Je pense que c'est peut-être une qualité de bande passante. Mais je vais essayer d'être le plus posée et constante dans ma diction. Donc, notre travail est de faire en sorte que chacun des instituts français situés à l'étranger, je vous ai mis une carte qui vous permet de voir que nous avons 98 instituts français et près de 150 antennes dans le monde, 830 alliances françaises et 131 services de coopération et d'action culturelle. Alors vous ne voyez pas trop la différence. Mais il y a tout de même des petites subtilités entre ces trois établissements dans la manière dont ils fonctionnent. Mais les missions sont plus ou moins similaires, entre les instituts français et les services de coopération, sachant que les instituts français ont un volet normalement de médiation envers des publics, des pays dans lesquels ils sont situés. Les alliances françaises ont comme première mission l'apprentissage du français comme langue étrangère, mais ont aussi, la plupart d'entre eux, une action de médiation et de programmation envers les publics locaux. Les services de coopération et d'action culturelle, en fait, généralement, sont directement au sein des ambassades et n'ont pas toutes des fonctions sur les programmations directement de médiation, mais tout ceci est du détail. Ce que vous devez savoir, c'est que nous, on accompagne, en tout cas en ce qui concerne le livre et d'autres disciplines artistiques, le réseau culturel français à l'étranger pour qu'il ait les meilleurs outils afin de donner les meilleures réponses possibles au contexte dans lequel ils évoluent. L'avantage de ce réseau, c'est le large réseau mondial, en fait, de coopération culturelle, c'est de pouvoir contextualiser le plus finement possible par rapport aux contingences locales. Ensuite, nous, on travaille beaucoup aussi avec les professionnels du secteur de l'édition pour faire en sorte de les renforcer dans leur potentiel d'exportation dans le monde entier. Et on a aussi un axe de travail sur le marché du livre en langue française dans le monde, ce qui veut dire que pour nous, ça étend notre mandat, vu que normalement on est en bilatéral entre la France et l'étranger. Donc ça veut dire qu'on s'intéresse aux professionnels français, mais notre mandat est étendu aux livres en langue française, ce qui veut dire qu'on peut mettre en place des coopérations et des modalités d'action plus souples. Quand il s'agit du livre en langue française, ça veut dire qu'on peut, par exemple, inclure des auteurs qui ne sont pas français, mais qui écrivent en langue française pour des résidences, pour des formations, pour des soutiens
à la mobilité, ce qu'on ne pourrait pas faire si vous n'étiez pas mandaté sur cet axe de travail. Voilà, donc je vous campe les possibles et aussi les limites de notre travail. En ce qui concerne le livre audio, donc comme on a une action dans le livre de manière, c'est un axe de travail traditionnel depuis la création de l'ancêtre de l'Institut français, qui à un moment donné s'est appelé l'AFA, l'Agence d'action artistique. On travaille dans le livre. Le livre après s'est renforcé et avec l'avancée technologique, on s'est investi dans toutes les déclinaisons du livre. Donc quand le livre était en papier, et bien on travaillait sur le livre papier. Maintenant que le livre n'est pas que sur papier, on regarde aussi comment accompagner les déclinaisons du livre, que ce soit donc sur le numérique, mais aussi en audiovisuel. Par exemple, on travaille dans l'adaptation audiovisuelle, on travaille aussi par exemple dans le jeu vidéo. Donc maintenant, on se positionne beaucoup sur le fait que nous, on crée des histoires, et ces histoires sont déclinées dans différents formats, sur différents supports, et l'important, c'est de voir comment on peut accompagner la circulation et la cession des droits pour que ces histoires soient le plus diffusées dans le monde. Donc le monde est notre terrain de jeu. Naturellement, on a aussi des géographies prioritaires, ce qui nous permet généralement aussi d'obtenir plus de moyens. Et dans les prochaines géographies prioritaires qu'on a, par exemple, on a deux projets qui sont sur l'Afrique du Nord, initialement, qui s'appelle Livre des deux rives, qui nous a permis par exemple, de soutenir dans un programme d'aide à la publication la production d'un livre audio sur une histoire de Sami Mokanem. Et on a aussi un autre projet qui nous permet de soutenir des projets éditoriaux dans 15 pays d'Afrique subsaharienne en jeunesse, en littérature de jeunesse, en considérant la littérature de jeunesse comme un outil fondamental pour l'apprentissage de la lecture. Donc il y a des clés d'entrée dans le livre qui ne sont pas uniquement la création, on va dire, artistique, même si fondamentalement, nous, notre terrain d'expertise, c'est la création. Pour accompagner le réseau culturel français à l'étranger, on produit des outils, qu'on appelle des livrables chez nous, c'est très beau, qui nous permettent de renforcer en information nos collègues en poste pour leur faire mieux appréhender les enjeux que porte un objet, on va dire, là en l'occurrence au livre audio. Donc, je vais passer après la parole à Marie Barbucia qui a consolidé un magnifique vademécum. Donc je précise que ce vademécum est la destination de nos collègues du réseau. Pour nous, c'est un outil de travail pour faire en sorte de résumer l'état des lieux et des possibles pour le livre audio. Ensuite, je vous présenterai brièvement un autre outil qu'on a mis en œuvre qui s'appelle IF Digital pour voir comment on aborde aussi la création numérique. De toute façon, je vous mets tout de suite en sous-titre, c'est la création numérique native. Et en dernier lieu, Marie-Charlotte Bautour, qui est donc chargée de projet ICC et numérique au sein du pôle livre, abordera avec vous quatre exemples d'actions qui ont été mises en œuvre à différents niveaux. Donc on travaille sur un niveau, comme je dis, de programmation, de médiation, mais aussi de soutien à l'export dans notre réseau culturel français à l'étranger pour voir ce qu'on met en œuvre ces dernières années, les initiatives qui sont prises et qui vous concernent aussi. Voilà, à la fin, je reste à votre disposition, ainsi que l'ensemble des intervenants, pour répondre à vos questions. Marie, je te passe la parole. Alors bonjour à tous, donc merci beaucoup. On va en effet parler du vademécum, du livre audio et du podcast pour le réseau culturel français à l'étranger. Donc c'est le fruit d'un travail encore extrêmement étroit avec l'Institut français et la Plume de Pan.
qu'on remercie aussi bien pour l'invitation que pour le travail qu'on a réalisé ensemble. Si on reste dans la cartographie, Marianne vous a donné les éléments Institut français, Alliance française et services de coopération. Nous et moi-même, donc chargée de projet formation et formation et développement des établissements, au sein de la DARC, donc la Direction appui au réseau culturel français à l'étranger, on côtoie, ou en tout cas on est en rapport avec à peu près 10 000 agents du réseau culturel à qui se destine donc ce Vademécum, cette ressource, alors auquel on vous attend parce que c'est grâce à vous qu'on a pu la construire, vous êtes les professionnels du secteur et vous serez, j'imagine, d'excellents aussi témoins et contributeurs si jamais nous avons fait des oublis, auquel cas nous en excuserons. Donc, pour vous parler un petit peu des actions qu'on fait au sein du pôle formation et développement des établissements à l'Institut français, on a du coup comme mission de proposer des ressources qui s'adaptent aux besoins des agents. Donc, dans le terme d'agents, on pense aux médiathécaires du réseau culturel, on pense aux attachés aux livres, aux attachés audiovisuels. Il y a tant d'autres disciplines aussi et métiers qui peuvent s'y adapter. Et on propose donc des ressources, des formations pour soutenir l'évolution des métiers et aider à la montée de la compétence et en connaissance pour ces agents-là. Donc la crise sanitaire en plus avait eu pour effet de révéler que le livre audio et le podcast, ça offrait des possibilités nouvelles pour faciliter et fidéliser les lecteurs à distance et élargir du coup des publics. Et ça, c'est très très important pour les instituts et les agences françaises, toucher des publics jeunes, notamment sur l'apprentissage, pour l'apprentissage, Yacine vient de le dire. Donc, ce qui était intéressant, c'est que ça revisite des lectures classiques parce que ça dématérialise des pratiques et qu'aujourd'hui, on a donc des audiolecteurs. Et ça joue pour le rapprochement dans les langues et du coup on est là pour l'accompagner et la soutenir. Donc c'est une pratique qui est nouvelle et qui prend place de plus en plus chez les lecteurs. C'est aussi un objet littéraire à part entière et support d'apprentissage des langues et ça contribue au rayonnement de la littérature française. Donc pour ancrer un petit peu historiquement le propos autour du livre audio et du podcast dans les actions menées par l'Institut français, donc à travers aussi bien le pôle dont je fais partie et les missions de formation, mais aussi avec les autres pôles de l'Institut français engagés, donc mes collègues qui sont avec nous, on peut être rappelé qu'on a eu à cœur de former plus d'une soixantaine d'agents du réseau culturel français à l'étranger entre 2019 et 2022, et cela encore grâce à la deuxième casquette de Cécile, donc c'est Numéret de conseil, donc de nombreuses formations qu'on a faites autour du livre audio, du podcast, et on est même allé des fois interroger le livre numérique. Donc voilà, c'est fort de toutes ces formations proposées au réseau qu'on s'est dit qu'il fallait aider et aussi montrer les résultats de toutes ces sessions de formation. Alors, dans un premier temps, dans la formation, il y avait la mise en place directement d'une action de médiation culturelle ou même d'un atelier de création en bibliothèque. Et toutes ces actions et initiatives qui en ont découlé ont aussi donné, donc sur le site du Festival du Livre Audio, une cartographie des initiatives du réseau culturel. Donc, je vous invite à vous y rendre. Et elle est tout le temps alimentée par tout ce qui peut se faire. Donc, elle est à destination des collègues du réseau. Et certains, d'ailleurs, vont prendre la parole dans pas trop longtemps. Et on continue à l'alimenter. Et en tout cas, ça nous a été extrêmement utile pour faire la ressource suivante, qui est donc un vademécum à destination des agents sur le livre audio et le podcast. Donc voilà, on pourra aussi vous envoyer la ressource si vous êtes intéressé, parce que nous, elle est
principalement à vocation à servir le réseau, mais comme vous êtes l'écosystème de professionnels, ça peut être aussi intéressant, si vous le souhaitez, de vous l'envoyer. Donc je pense que ça pourrait être utile aussi, parce que j'ai écouté hier Prune Liotier nous dire qu'elle faisait un post-doctorat et qu'elle souhaitait enquêter sur l'écosystème français du livre audio et podcast. Bon, on a fait ce qu'on a pu avec les spécialistes que sont Cécile et Elsa de la Plume des Pans pour rendre compte de cet écosystème. Et c'est un petit peu le résultat d'une enquête. Voilà, donc si jamais ça peut vous être utile, on l'enverra avec plaisir. Donc le voici à l'écran, c'est le Vademecum podcast et livre audio en usage dans le réseau culturel français à l'étranger. Donc on a pu restituer certaines des actions du réseau, et en tout cas on a le grand plaisir de mettre de la voix sur certaines de ces actions dans quelques secondes maintenant, grâce au réseau qui s'est rassemblé par le Zoom, mais aussi en présentiel, avec les alliances, le réseau d'alliances françaises du Brésil, le réseau d'alliances françaises d'Inde et le réseau d'alliances françaises en Tunisie, donc qui prendront la parole dans quelques temps et qui sont également dans le Vademecum. Voilà. Donc on a donc ce Vademecum là. Voilà. Donc je vous en montre un petit peu en introduction. Donc on a décidé de définir un petit peu le livre audio et le podcast. Et donc voilà, on précise également qu'on s'est focalisé sur le podcast natif. Et peut-être pour vous donner un petit peu quelques aperçus, vu que le graphisme est signé par Elsa qui est à côté, vous donner, qu'on remercie parce que c'est extrêmement beau aussi comme outil. Peut-être lui donner la parole aussi pour qu'elle nous explique quelques détails sur le Vademecum. Merci beaucoup, Marie. Donc effectivement, c'était assez foisonnant parce qu'il y a plein d'initiatives et puis en termes de podcast et de livre audio, on s'est dit que visuellement, on allait vraiment essayer de mettre en valeur voilà, toutes ces informations. Donc, vous voyez, il y a le petit logo quand c'est le livre avec le casque pour le livre audio. Et ensuite, pour la séparation, donc on a le petit micro avec le casque pour le podcast, quelques infographies au départ, et puis ensuite, bon, je te laisse finir, mais toutes les initiatives sont bien listées pour le mettre en valeur. Voilà, donc on va le faire défiler ensemble, si vous voulez. Donc on a essayé de lister les acteurs de l'écosystème et les modalités d'accès, les aides à la création, financement et résidence. Donc voilà. Et aussi donc tous les acteurs et initiatives du réseau culturel qui prendront la parole bientôt. Voilà. Et ce ne peut être exhaustif, mais on a essayé aussi de donner des bonnes pratiques, donc d'accompagner les agents du réseau à continuer et à encourager la création sonore. Voilà, on a également mis, parce qu'on a vu que c'était très utile pendant les formations, des points de vigilance juridique. Qu'est-ce qu'on a le droit de faire et qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire, par exemple, l'écoute d'extraits sonores dans les classes de français, donc c'était intéressant. On a mis également les ressources portées par l'Institut français, donc on met à disposition du réseau plusieurs outils pour valoriser tout ça. On a une attention particulière à la dimension pédagogique du livre audio qui est proposée via Culture Tech, donc une bibliothèque numérique. On a également une série de podcasts Le Jour Où sur IF Prof, destinée du coup à la communauté collaborative des professionnels de l'éducation francophone. Voilà. Et également, peut-être plus tard, Marianne vous parlera de l'IF Digital, le site de la création numérique française, qui permet aussi de découvrir les principaux professionnels et la création de ces filières. Voilà. On a également, pour se former, et on a référencé les personnes de contact pour nous solliciter, l'annexe aussi, sur les acteurs spécifiques. Voilà. Donc ce document, qui est en perpétuelle évolution, sera enrichi au fur et à mesure de nouveaux éléments
car vous êtes les briques de ce secteur, mais ce secteur aussi, il évolue très rapidement, et les échanges qu'on a aujourd'hui le prouvent. Et ça va être très intéressant de penser aussi en termes d'innovation technologique comme l'IA et le ChatGPT, qui permettront aussi de peut-être ajouter quelques pages à ce vatémécum. Et voilà, on a été conscient que ce n'était pas une mince affaire de produire un tel document et qu'on devra du coup l'enrichir aussi de vos actions. Donc n'hésitez pas à nous solliciter aussi. Et ça promet de riches échanges dans les prochains festivals de Cécile. Voilà, merci à tous et je passe la parole à Marie-Charlotte ou à Marie. Je vais compléter le micro. Merci beaucoup Marie. Donc voilà, oui, c'est un document qui a plusieurs finalités, hein, de comprendre un peu mieux l'écosystème propre au livre audio, de renforcer en exemple de programmation pour que ça soit un peu inspirant pour nos collègues dans le réseau, pour voir ce qu'ils peuvent mettre en place comme différentes actions. Je vais juste compléter par un dernier outil qu'on a développé, mais alors on l'a mis en ligne cette année, il est digital, c'est tout à fait récent. Et voilà, enfin qui existait déjà avant, effectivement, mais qui est même chose, on a des outils qui sont évolutifs, ça veut dire qu'on essaye de faire en sorte qu'ils soient adaptés au mieux à la création française dans ces évolutions technologiques. Donc cette année, IF Digital s'est enrichi d'un onglet sur le podcast. Alors c'est un site de référence de la création numérique française destiné à l'export. Ça nous permet aussi, alors ça avait déjà, il y avait un volet livre innovant, et ça permet, comme son intitulé le dit, de découvrir le meilleur des créations et des professionnels de ces secteurs, sachant que pour nous, principalement, si on va sur la planche suivante, c'est un outil d'aide à la programmation, mais aussi de mise en réseau pour le réseau culturel et ses partenaires. Ça veut dire qu'on le destine au réseau culturel français à l'étranger, mais aussi aux professionnels prescripteurs qu'on a identifiés à l'étranger. C'est un site qui est ouvert d'accès et qui permet donc de découvrir la création professionnelle, mais aussi à chaque fois, il y a trois sections, donc la création, la professionnelle et la sélection, il y a aussi une sélection qui est mise en œuvre, à chaque fois les fiches, tu peux continuer, permettent d'avoir les informations synthétiques pour la définition des œuvres qui ont été identifiées. Il y a un moteur de recherche et il y a une personne de contact pour pouvoir s'adresser au responsable de diffusion de l'œuvre. Si on continue la fiche précédente, par contre, on va lister, il y a un répertoire de professionnels qui permet aussi de voir quelles sont les expertises et les compétences réunies en France. Par exemple, on a un écosystème très riche qui s'appuie sur les compétences audio et cinéma pour faire en sorte que le livre audio puisse aussi bénéficier d'une ingénierie de travail du son. Et le fait qu'on a aussi un vivier d'acteurs et d'actrices très large qui permet aussi de répondre à un niveau de travail professionnel pour la mise en voie des livres audio. C'est tout un écosystème qui est donc très favorable et très porteur à la production, à la création de livres audio. Alors ça c'est pour mon prisme livre audio, mais le site couvre l'ensemble de la création numérique. Voilà, donc si on descend, alors sur un dernier, je vais être assez rapide, sur la dernière planche, sachez que vous pouvez vous référencer sur le site vous-même, en fait c'est un site qui est ouvert, qui permet en même temps de continuer à proposer pour les professionnels français, et c'est là où on retrouve notre ADN d'origine, c'est-à-dire qu'on est là pour mettre en avant la création française à destination des professionnels étrangers. Donc si vous faites de la création numérique, sachant que ce qui est intéressant, je vais peut-être, Elisa, pour terminer, on peut aller sur le site d'IF Digital,
Il y a différents onglets. Donc, il y a un onglet Livre innovant qui vous permet de rentrer dans l'univers du livre innovant au sens large, mais a priori toujours pris sur le fait que ce sont des créations natives. Donc voilà, vous avez différents onglets, mais vous pouvez aussi les conjuguer. Donc par exemple, si vous ajoutez création sonore à livre innovant, vous tombez sur deux exemples de propositions en lanceuse de Troie, en fait c'est sur portable, et Mobigram, c'est une fabrication de calligramme. Donc vous avez des exemples de création. Je dirais que ce site a une vocation un peu exhaustive, mais n'atteint pas cet horizon encore pour l'instant. Mais en tout cas, il est ouvert d'une certaine manière. Et donc, si vous enlevez la fonction livre innovant et que vous rentrez dans création sonore uniquement, vous verrez qu'il y a des podcasts. Et avec une création native, ça veut dire que le podcast, comme on a dit hier, ne s'inscrit pas dans une retranscription orale d'un livre. C'est une création sonore qui peut s'inspirer au départ d'une œuvre littéraire, mais qui sera en tant que telle une œuvre de création en part entière. Donc ce site permet, même si vous n'avez pas lieu de programmer ou de vouloir diffuser une œuvre, tout de même de faire une sorte de mise à niveau de où on est la création française en termes numériques de nos jours. Voilà, c'est un outil qui est mis en place. Donc nous, on s'est assuré, on est en train de monter en puissance pour faire en sorte d'avoir des outils qui soient aussi bien des vitrines, mais qui aussi nous permettent, et là je vais passer la parole à Marie-Charlotte, nous permettent pour l'ensemble du réseau culturel français à l'étranger d'avoir des lieux où on peut s'inspirer et apprendre de ce qu'on peut programmer dans les différents pays où se trouvent nos collègues. Et vous avez pu voir à la fin, dans un des chapitres du Vademecum, présente un panel d'actions qui ont été mises en œuvre. Et ça veut dire aussi que le réseau monte en puissance sur des actions concernant le livre audio. Et donc là, vous allez voir une géographie assez large. Et je donne la parole à Marie-Charlotte pour aller plus dans le détail. Merci, bonjour à tout le monde. Merci à Cécile, à la Plume de Pan, de nous accueillir. On est très heureux de faire partie du comité d'organisation de ces rencontres francophones pour la troisième année. Et là, c'est la deuxième année que nous avons souhaité mettre en lumière différentes initiatives de nos collègues en poste dans les instituts français, les services culturels des ambassades ou les alliances françaises, et vous présenter une diversité des types d'actions qui ont été mises en œuvre autour du livre audio et du podcast sur les différents territoires concernés. Donc aujourd'hui, on a quatre postes diplomatiques, comme on dit dans notre jargon, donc quatre pays qui sont là aujourd'hui, et qui sont le Brésil, représenté par Marion Loire, qui est attaché livre et débat d'idées à l'ambassade de France au Brésil, accompagné de Jean Bourdin, qui est directeur général de l'Alliance française de Rio de Janeiro et coordinateur général des alliances françaises au Brésil. Je les laisserai se présenter ensuite. De l'Inde, nous avons Alice Goni, qui est coordinatrice nationale des alliances françaises, et accompagnée de Priyanka Jain, coordinatrice des médiathèques. Isabelle Bernoron représentera l'Espagne, elle est attachée livre à l'ambassade et des débats d'idées et médiathèques. Et puis avec nous sur scène, Nada Najahi et Yacine Ambrouni, qu'on connaît bien maintenant, de la Tunisie, des alliances françaises de Bizerte et de Djerba. Et donc le Brésil et l'Inde vont nous parler d'actions qui relèvent à la fois de la programmation artistique et culturelle autour du livre audio et du podcast, et puis de révéler aussi les enjeux stratégiques du podcast pour une alliance française et un réseau d'alliances françaises. Isabelle et Nada et Yacine termineront par un retour et des perspectives aussi ouvertes par leur action
enfin des volets professionnels de leur action autour du livre audio. Marion et Jean, vous avez la parole pour commencer. Je crois que Marion commençait par parler et je te propose, Marion, ensuite de donner la parole à Jean. Bonjour, je vais commencer par vous faire écouter très rapidement un extrait de podcast et je prendrai la parole ensuite. Sem alegria nem cuidado, nosso pai encalcou o chapéu e decidiu um adeus para a gente. Nem falou outras palavras, não pegou uma tula e trouxa, não fez alguma recomendação. Nosso pai entrou na canoa e desamarrou, pelo remar. E a canoa saiu se indo, a sombra dela por igual, feita um jacaré, comprida, longa. Nosso pai não voltou, ele não tinha ido a nenhuma parte. Só executava a invenção de se permanecer naqueles espaços do rio, de meio a meio. Sem... Donc, vous venez d'entendre un extrait d'un podcast qui a été créé conjointement par le SCAC Brésil, le Goethe-Institut, et une revue brésilienne littéraire qui s'appelle Quad Cinquon. Cette introduction, pour vous parler un petit peu plus largement de la situation du livre audio et du podcast au Brésil, et de la manière dont le poste, en particulier le bureau du livre, s'en empare. Et je passerai ensuite la parole à Jean Bourdin, qui est délégué général des Alliances françaises au Brésil et qui vous parlera de la stratégie podcast de l'Alliance française, qui développe un gros programme, ainsi que d'un festival du livre audio et du podcast qui a été organisé l'an dernier par les Alliances françaises du Brésil. Alors, très rapidement, le livre audio et le podcast dans le contexte du marché du livre brésilien. Le livre audio, dans le contexte du marché du livre, occupe encore une place assez faible, tout comme le livre digital, d'une manière générale, représente 6% du marché. C'est néanmoins un marché en forte croissance. Et concernant le livre audio, il représente encore pour l'instant une très petite part des ventes de livres numériques, entre 1 et 2%, 15% pour ce qui concerne les abonnements. En revanche, c'est un secteur en forte croissance et qui intéresse tous les acteurs du marché, à la fois les plateformes de diffusion, mais aussi les éditeurs plus classiques qui tous, aujourd'hui, il y a tous les jours des articles dans la presse professionnelle sur le livre audio et le développement de ce secteur dans le pays. C'est un secteur qui est en développement et qui intéresse fortement le monde du livre. Quant au podcast, d'une manière générale, le Brésil est un pays extrêmement connecté. Tout le monde, quasiment tous les Brésiliens sont équipés de téléphones portables et consomment énormément de ressources sur les réseaux. Et le podcast, les Brésiliens disent qu'ils sont les premiers consommateurs mondiaux de podcasts. Je ne sais pas si c'est absolument exact, mais en tout cas, les podcasts, on le vend en poupe et en particulier auprès d'une population jeune et notamment des jeunes adultes. De ce fait, le podcast est devenu, occupe maintenant une place de choix parmi les nouveaux canaux de promotion du livre et de la lecture, et aussi bien les journalistes littéraires que les éditeurs, que les influenceurs ou que simplement les lecteurs qui souhaitent partager leur lecture dont les s'emparent. Je vous ai mis très rapidement une série de podcasts littéraires connus et diffusés au Brésil. Et dans ce contexte-là, le poste, donc le service de coopération et d'action culturelle de l'ambassade, via son bureau du livre et du débat d'idées, a décidé de s'emparer du podcast et a créé l'an dernier
en partenariat avec le Goethe Institute. Et entre les deux, les bibliothèques du Goethe Institute et la bibliothèque du SCAC, donc la bibliomaison à Rio, ont décidé de s'appuyer sur une revue littéraire partenaire pour créer un podcast de dialogue entre les littératures brésiliennes, allemandes et francophones. La création de ce podcast a permis d'ajouter une modalité de partenariat avec une revue littéraire et développer la panoplie des outils qui nous permet de diffuser la littérature francophone et de promouvoir la littérature francophone au Brésil. Il existe une coopération franco-allemande de longue durée entre les bibliothèques du Goethe Institute et du SCAC au Brésil, mais cette coopération est actuellement renforcée par la création en cours d'un institut culturel franco-allemand à Rio. Pour la création de ce podcast, nous nous sommes appuyés donc sur la revue Quad Cinquum, qui est une revue littéraire, quasiment la revue littéraire la plus influente actuellement au Brésil. C'est une revue à la fois papier et numérique, qui a elle-même déjà une chaîne de podcast. Donc ça a été un travail réellement de co-création entre les différents partenaires. La curation du podcast a été confiée à deux journalistes littéraires particulièrement influents, notamment Paolo Werneck, qui a été programmateur de la FLIP, le grand festival littéraire du pays, qui est éditeur, qui est journaliste littéraire, qui est rédacteur en chef de la revue Quatro Cinco Um, et qui est par ailleurs le créateur et le directeur artistique de la nouvelle foire du livre créée à São Paulo l'an dernier et qui aura sa deuxième édition en juin. Il est accompagné de Paola Carvalho, qui est également journaliste littéraire et qui est coordinatrice de la chaîne de podcast de la revue Quatro Cinco Um. Par ailleurs, ce travail a fait l'objet de la création d'une identité visuelle spécifique qui est inspirée de l'iconographie traditionnelle du nord-est brésilien. Le nom du podcast qui a été choisi, La troisième rive du Rhin, fait référence à une nouvelle classique de l'auteur brésilien João Guimarães Rosa, La troisième rive du fleuve. Et la métaphore du fleuve est utilisée tout au long du podcast pour symboliser les échanges culturels et en particulier littéraires entre les trois pays. Dans le podcast qui a été lancé donc en novembre dernier, qui a eu une édition tous les 15 jours, un épisode tous les 15 jours jusqu'en fin mars 2023, une trentaine d'écrivains brésiliens évoquent les relations qu'ils ont avec les littératures germanophones et francophones. Et le podcast parcourt un certain nombre de thèmes centraux de la littérature contemporaine, les villes, le totalitarisme, les migrations, la mélancolie, le sexe, etc. Au total, plus de 40 titres sont évoqués, germanophones et francophones sont évoqués dans le podcast, qui sont tous des titres classiques ou contemporains, qui sont tous des titres actuellement disponibles en traduction dans le pays. Donc ce podcast est diffusé sur le site de la revue, sur les chaînes YouTube de la Bibliomaison et des bibliothèques du Goethe Institute, mais aussi sur toutes les plateformes de diffusion du podcast comme Deezer, Spotify, etc. Le podcast a été lancé à l'occasion d'un événement présentiel dans la bibliothèque du Goethe Institute à Rio, en présence d'un auteur allemand et d'une auteure française, qui était Léonore de Recondo. Et il sera clos officiellement en juin prochain au cours de la Foire du Livre de São Paulo, qui permettra à nouveau de remettre en avant tous ces différents épisodes. À chaque épisode, par ailleurs, les bibliothèques du Goethe Institute et la Bibliomaison ont mis en place des valorisations à la fois physiques dans leurs espaces, des livres présentés dans chaque épisode, et une valorisation sur les différents réseaux sociaux, Facebook, Instagram, etc. Donc ce podcast a été une occasion à la fois de développer de nouveaux canaux de promouvoir la littérature francophone
dans toute sa diversité au Brésil, en s'appuyant sur des partenaires brésiliens et sur des écrivains brésiliens qui ont par ailleurs une notoriété assez forte dans le pays. Et ça a été également l'occasion de construire des partenariats solides entre les bibliothèques, et, la revue et les différents intervenants qui ont pu être invités. Et par ailleurs, d'organiser, d'être un support de programmation culturelle pour le poste. Nous ferons un bilan, notamment en termes statistiques, d'écoute et d'impact du podcast à l'issue de sa clôture définitive au mois de juin. Mais nous avons de notre côté d'ores et déjà décidé de renouveler le partenariat avec la revue Quad Cinquum pour une nouvelle série de podcasts autour d'interviews d'auteurs et d'autrices francophones et qui sera lancée à partir du second semestre 2022. Je vais par ailleurs maintenant tout de suite passer la parole à Jean Bourdin, puisque le réseau des Alliances françaises du Brésil développe toute une chaîne de podcasts et a l'an dernier organisé un festival du livre audio et du podcast. Jean, je te passe la parole. Merci beaucoup Marion, j'espère que vous m'entendez bien. Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est un grand plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour vous parler rapidement de Affluencia, le podcast de l'Alliance française de Rio et de manière plus générale du réseau des Alliances françaises, au Brésil. Effectivement, c'est important de dire que le Brésil est un pays extrêmement connecté. En moyenne, les Brésiliens passent 10 heures par jour sur Internet. Il y a environ un taux d'équipement qui dépasse les 100% en téléphone cellulaire. Donc, on est à plus d'un téléphone par Brésilien. Et c'est le 2 ou 3e pays pour l'utilisation de WhatsApp et d'Instagram. Donc, une très, très forte prééminence des réseaux sociaux également et du numérique dans la vie des Brésiliens. Je précise que je n'ai pas de présentation, par contre, à partager. Voilà. Je fais ça rapidement comme ça. Suite à la pandémie, personnellement, je suis arrivé en septembre 2020. Le réseau des Alliances a pas mal souffert de l'évolution de ces publics, puisqu'en fait, les cours en présentiel ont été interdits. Donc, tout s'est passé en ligne, avec quand même des difficultés, avec l'émergence d'une concurrence importante. Et compte tenu de l'importance du numérique dans la vie des Brésiliens, il nous a semblé essentiel de pouvoir répondre avec des contenus de bonne qualité, francophones, à cette demande de français qui, malgré tout, existait au Brésil. Donc, parallèlement, pour articuler la création de ce podcast, le réseau des Alliances est lancé dans une transformation numérique très, très importante. Et ce podcast, Affluencia, en a été le premier projet véritablement tangible et important et structurant pour nous, très structurant. Donc le podcast Affluencia, c'est trois chaînes de podcasts produites en interne. La première, c'est En français, s'il vous plaît, qui est une série d'émissions d'enseignement du français, un petit magazine culturel. Ensuite, nous avons Tête à tête, qui est une série d'interviews d'acteurs de la francophonie au Brésil ou en France. Et enfin, Entre Linhas, qui est notre bibliothèque de livres sonores. Alors, dans un premier temps, on s'est consacré à des titres classiques, des grands classiques de la littérature française, le Orla, des œuvres de Les Fables de La Fontaine, des œuvres de Jules Verne, etc., etc. Et puis, on s'est rendu compte que c'était quand même assez complexe et on a petit à petit essayé d'évoluer vers des livres plus récents avec un langage plus proche du français d'aujourd'hui en faisant des partenariats avec des maisons d'édition un peu plus, plus récentes, contemporaines, disons, notamment les éditions Anacuana. On a également essayé de créer une certaine diversité dans les contenus et dans les œuvres proposées en sollicitant des artistes qui ne sont pas nécessairement écrivains, notamment deux chanteurs, le chanteur Xavier Machaut qui a fait un podcast dans Entre Linhas donc, qui s'appelait « Chaises longues, musique et poésie » et également un livre jeune public lu par le chanteur Ben Nonclesou. Donc on a essayé de varier un petit peu les formats.
Nos perspectives, eh bien, ce sont des livres plutôt plus courts. La négociation de droits d'acquisition, de transformation des livres avec des petites maisons d'édition indépendantes. Et puis, on essaye également, en lien avec Marion et le Bureau du Livre, de proposer des podcasts, des livres audio qui sont en relation avec des tournées d'artistes, des tournées d'auteurs ou des événements comme par exemple le festival du film Varilux qui chaque année projette un grand classique français adapté au cinéma. Ce projet a connu un certain succès, on est à peu près à 26 000 téléchargements, mais en comptant toutes les séries, j'ai oublié de préciser qu'il y a également trois séries qui sont de podcasts qui sont produits par des productrices professionnelles du podcast, hein, journalistes ou autrices, qui sont consacrées à... L'un s'appelle Tête chercheuse, il est consacré à des portraits de femmes dans la science, et les deux autres sont consacrés à des monuments et à des quartiers de la ville de Rio. Voilà. Un événement important qui est né du lancement de ce podcast Affluencia, c'est le festival Ondas Sonoras qui s'est matérialisé l'année dernière par la première édition avec les grands partenaires brésiliens du podcast. Nous avions notamment parmi les intervenants Radio Novelo qui est un des principaux producteurs de podcasts du Brésil. Nous avions également invité Bookwire, nous avions invité Deezer, Spotify, etc., etc. Et ça a permis de réunir aussi bien des professionnels que du public pendant ces trois jours de réflexion et de rencontres à Rio, au Teatro Oi Futuro. Voilà. Voilà ce que je pouvais vous dire. Une de nos préoccupations, c'est de voir comment événementialiser, je ne suis pas sûr que le terme existe, mais enfin bon, à partir de maintenant, il existe, le podcast et de faire en sorte qu'on passe d'une écoute individuelle et isolée un petit peu socialement à une expérience plus sociale et plus collective. Voilà, donc on essaie de travailler à des pistes pour trouver ça. Voilà. Voilà pour moi. Merci. Merci beaucoup, Jean. Je ne sais pas s'il y a déjà des questions dans la salle qu'on peut prendre très rapidement. Oui. Deux rapides questions. La première, c'est est-ce que les alliances peuvent être un lieu de diffusion dans les médiathèques avec des casques d'écoute et autres? Et l'autre chose, c'est que si oui, est-ce que vous êtes ouvert à des contenus qui soient francophones mais pas français? Alors, à ces deux questions, j'ai envie de répondre par oui. En fait, le podcast est soutenu et diffusé dans le réseau des 34 alliances françaises au Brésil. Hein. C'est un réseau très, très important. En termes de nombre d'étudiants, on tourne autour de 17-18 000 étudiants par an. Et également en termes d'implantation, puisque 34 alliances, ça en fait un des principaux réseaux au monde. Donc oui, effectivement, les alliances sont des supports de diffusion. Après, le réseau est quand même très hétérogène. On a deux grandes alliances en termes d'effectifs qui sont Rio, São Paulo. On a un réseau très important d'alliances de taille importante qui tourne autour de 700-800 étudiants dans les particulièrement les capitales des États. Mais on a aussi une partie du réseau qui est constituée de toutes petites alliances françaises en grande difficulté financière. Donc on a un réseau aujourd'hui qui est assez hétérogène. Mais néanmoins, le réseau est assez impliqué dans ce projet. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, oui, bien sûr, on a une vision et une ambition plutôt francophone. Hein, donc, on est tout à fait ouvert à la possibilité de diffuser et d'enregistrer, pourquoi pas aussi, des œuvres d'auteurs francophones, bien sûr. Merci beaucoup. Et pour compléter, pour l'Institut français, le réseau culturel et ses établissements sont les premiers lieux de diffusion de la création artistique française et francophone. Et à l'Institut français, en s'associant avec nos partenaires comme le Festival du Livre audio et du Podcast, on diffuse le prix du public du prix du livre audio de ce festival, dont on met les livres audio sélectionnés donc en deux catégories, adultes et jeunesse, sur notre plateforme en ligne. Et donc, cette sélection, on a à cœur de s'assurer de diffuser des contenus francophones dans la plus grande diversité possible. Voilà.
Juste pour préciser, parce que je ne pense pas que ça a été dit, CultureTech est notre plateforme, notre bibliothèque en ligne, qui est accessible dans le monde entier. Et il faut être inscrit à un institut ou à une alliance pour pouvoir y accéder. Et c'est sur cette plateforme que la sélection dont vient de parler Marie-Charlotte est accessible. Voilà. Merci beaucoup Jean et Marion. Je passe la parole maintenant à Alice Bonny et Priyanka Jain qui vont nous présenter leurs retours et perspectives sur la première édition d'un concours national de lecture à voix haute sur le modèle des petits champions de la lecture. Alice et Priyanka, c'est à vous. Oui, bonjour à toutes et tous et merci de l'opportunité qui nous est offerte de présenter donc, le concours de lecture à voix haute. Alors, la présentation, effectivement, de ce concours, elle inclut aussi l'édition qui est en cours et qui est déjà bien avancée, puisque nous approchons sensiblement de la finale nationale du concours et de la deuxième édition de ce concours, donc, qui a été créé à l'issue de la pandémie, dans un souci de visibilité du réseau des alliances françaises et un travail de collaboration entre l'Institut français en Inde, le réseau des alliances françaises, qui est composé de 15 alliances françaises et qui compte environ 27 500 étudiants différents, qui est fait le deuxième plus gros réseau des alliances françaises au monde, par le nombre d'apprenants et avec le partenariat avec la Plume de Pan, que nous remercions. Donc, Cécile est définitivement toujours là comme une fée qui amène des bonnes nouvelles et des bonnes idées. Donc, ce concours, il a permis de renforcer, dans un premier temps, l'apprentissage et l'expérience à l'Alliance française. L'objectif à l'issue de la pandémie, effectivement, c'était de pouvoir faire revenir quand même des apprenants dans les alliances françaises, qui ne semblait pas tout à fait évident. Et ça en fait partie, parmi d'autres choses. Et ça permet ainsi de renforcer l'apprentissage, d'initier les apprenants à la lecture à voix haute, de textes, de livres en français, dès les niveaux débutants, et de casser ainsi la barrière de l'oral en améliorant la prononciation, la confiance dans l'apprentissage, faire découvrir des auteurs français contemporains ayant reçu des prix. Le collègue du Brésil évoquait cela également. L'idée, c'était vraiment de faire découvrir des textes récents sur des thématiques variées avec aussi une dimension inclusive, voilà, sans hésiter à aussi mettre des textes engagés, féministes. Voilà, ça c'était aussi un postulat. L'objectif étant évidemment d'explorer l'ensemble des supports, au-delà du livre classique, donc livre audio, le podcast, ceci venant étayer finalement la politique de formation du réseau, la formation des médiathèques, des médiathécaires qui ont été accompagnés dans la découverte du livre audio et du podcast et qui continueront à l'être, et aussi à étayer la politique d'acquisition que le réseau souhaite vraiment orienter vers l'audio, vers le livre audio, le podcast, différents supports. Donc, évidemment, comme je le mentionnais, donc c'est l'objectif de ce concours, c'est de replacer la médiathèque au cœur de l'apprentissage et d'accompagner ainsi les médiathécaires dans leur rôle d'animation et de passerelle entre la médiathèque, les médiathèques et le centre de langue, de fédérer les différentes communautés des alliances françaises, puisque c'est un concours, comme vous l'expliquera Priyanka, qui implique également les enseignants, au-delà des médiathécaires, les enseignants et évidemment les apprenants, autour d'un projet réseau commun déployé à travers le sous-continent dans 11 centres. L'objectif aussi, c'est d'offrir un biais supplémentaire pour animer les alliances françaises et faire revenir, comme je le disais, les apprenants, tout en organisant un événement important, point d'orgue pour la visibilité, la marque Alliance française. Au lieu de multiplier finalement les actions, l'objectif, c'était vraiment d'avoir une action globale autour des médiathèques sur cette deuxième édition.
Donc, nous avons en termes de chiffres 11 alliances françaises cette année impliquées, plus d'une dizaine de médiathécaires, 409 participants, donc apprenants, qui ont participé aux sélections régionales et une trentaine qui participeront à la finale, 70 enseignants impliqués, 3 formateurs français et indiens qui vont accompagner des comédiens, qui vont accompagner, Priyanka encore reviendra sur le sujet, avec une coordination assurée par elle-même et évidemment un partenariat extrêmement précieux avec la Plume de Pan. À présent, je vous passe la parole à Priyanka qui vous parle un peu plus en détail de l'organisation de ce concours. Merci Alice, merci à toutes les personnes. Oui, nous avons divisé ce projet en 6 étapes. La première, ça commence par l'inscription. Inscription, l'inscription, ça fait via le formulaire Google qui est ouvert uniquement pour les étudiants qui étaient en cours de la classe Alliance française. Et les inscriptions sont faites par les professeurs pour toute la classe, exceptionnellement, normalement, individuellement. Et il n'est pas nécessaire que tous les élèves doivent les s'inscrire dans le concours, mais ils peuvent voter, élire les représentants dans la classe qui participera ensuite au concours régional. La deuxième, c'est la préparation. Pour la seconde étape, la préparation, on a le concours suit le nouveau niveau linguistique des apprenants. On a divisé la classe en trois niveaux, A, B, C, A pour le débutant, B pour l'intermédiaire et C pour avancé. Et une sélection de textes qui est fournie par l'Institut français en Inde et avec l'aide de Culture Tech, on a trouvé les textes. Mais le but, il s'agit de présenter principalement les auteurs français contemporains. Et le but était en effet de promouvoir les lauréats. Lauréat récemment primé, de présenter la littérature d'aujourd'hui, sans oublier la dimension inclusive chez le réseau des AF en Inde. Ensuite, la troisième étape, c'est la présélection. Dans cette étape, les médiathécaires ont envoyé les textes régionaux qui on a déjà sélectionné aux professeurs. Ils ont inscrit leur classe au concours. Il y a 3 textes différents pour chaque niveau, pour chaque niveau A, B, C. Les étudiants ont sélectionné à préparer pour le concours régional. Le professeur aide les étudiants sur la compréhension globale, la prononciation correcte, la grammaire et la lexique. Pour l'étape, la quatrième, c'est la jury locale. Chaque alliance sélectionne les membres de jury composés de professeurs, médiathécaires et les directeurs-directrices pédagogiques. Donc, il a choisi chaque AF choisit une date pour le concours régional en présentiel. Si on a besoin, il est possible de participer en ligne. Cependant, les concours servent une façon d'animer la communauté locale des apprenants. Donc, la présence est privilégiée. Ensuite, la jury évalue et choisit un gagnant par niveau et ça qualifie automatiquement pour la finale. Finale nationale de concours, le lecture à Wawot. Maintenant, c'est la cinquième formation avec la comédienne. Maintenant, c'est le temps que l'objectif de préparer les candidats candidats régionaux à la finale. Pour cela, 3 comédiennes forment. On a choisi 3 comédiennes français et anglais qui forment les finalistes pendant 30 minutes individuellement. Lors des sessions de formation, les participants travaillent sur une nouvelle série de textes en français. Mais c'est le temps de finale
de la finale au concours national, qui au concours national, on a préparé les comités, composés de le chef de secteur de livres et débats de livres et débats d'idées et une des directeurs directrices de l'Alliance française et une personne extérieure au réseau. Et bien sûr, les directrices de l'organisation, les plumes de pont. Mais ils sélectionnent les personnes de jury sélectionnent les trois finalistes de chaque niveau ABC. Oui. Et l'ensemble des finalistes donc ont des cadeaux et donc nous les récompensons en leur offrant un certain nombre de livres audio justement pour découvrir ces supports et également des casques audio pour les trois finalistes nationaux. Alors c'est une action, comme vous l'aurez compris, une action de réseau, une action nationale qui bénéficie d'une visibilité à travers l'ensemble des réseaux sociaux de l'Institut français en Inde et du réseau Alliance française. C'est évidemment plutôt, je dirais, une action en amont pour faire découvrir aussi, hein, c'est un levier de découverte du livre audio, des podcasts, quelque chose que nous souhaitons développer, voire développer dans le réseau. Et je rebondis sur la proposition qui a été faite, la possibilité de diffuser, je pense que des podcasts, diffuser et créer des événements autour de ça. Nous sommes tout à fait ouverts en Inde également. Le réseau l'est à développer et à rendre plus visible à la fois les livres audio, les podcasts, enfin tous les supports, les nouveaux supports innovants qui seront proposés, créés. Et pour nous, c'est aussi un moyen de commencer à mieux comprendre l'écosystème aussi du livre audio en Inde, du podcast en Inde. Et nous sommes qu'au début de cela, mais en fait, c'est vraiment une manière de se lancer dans cette découverte que nous programmons dans le courant de cette année. Merci à vous. Merci à vous. Merci à toutes les deux. J'avais une question, mais est-ce qu'il y a d'autres questions pour Alice et Bianca? Non. Ma question, cette deuxième édition que vous avez lancée, est-ce que vous avez apporté des modifications par rapport à l'année dernière, les retours que vous avez construits de cette première édition? On a pas vraiment beaucoup adapté, je dirais. On a vraiment essayé d'anticiper, ce qui explique qu'en fait, on est trois fois plus de participants cette année. Bon, preuve que c'est un dispositif qui fonctionne. On a commencé avec 160, 170 participants et on en a plus de 400 dans un pays où, comme vous l'avez compris, un réseau important et aussi dans un pays très connecté, hein, le plus grand pays du monde à présent. Merci. Merci à toi. Là. C'est à toi. Oui, tout à fait. Merci. Alors, moi, de mon côté, je vais vous parler de l'Espagne. Je cherche comment faire pour partager mon écran avec vous. Mais je mets ça comme ça. Voilà. Vous voyez mon petit PowerPoint, très bien. Voilà, donc de notre côté, je voudrais vous parler de la journée que nous avons organisée sur le livre audio en Espagne. L'idée de cette rencontre était double en réalité. C'était accompagner les éditeurs français sur le marché du livre audio en Espagne, mais comprendre également ce qui pouvait se passer de manière plus générale dans le monde hispanophone, puisque lorsqu'on parle d'Espagne, on est bien au-delà des 48 millions de population espagnole. Il y a quand même 500 millions de locuteurs espagnols à travers le monde, notamment en Amérique latine et en Amérique du Nord. Donc, pour ceci, je vous ai préparé quelques petits chiffres. Bon,
Je vais aller très rapidement parce que ce n'est peut-être pas très, très intéressant, mais ce qu'il convient de noter, c'est que durant le confinement, le lectorat a beaucoup augmenté et les usages ont beaucoup évolué, notamment avec l'utilisation du livre audio et du podcast. Il faut savoir qu'en Espagne, le livre audio n'était pas du tout développé, contrairement dans les pays du Nord et comme dans nombreux pays latins, donc c'était quand même quelque chose d'assez novateur. Au niveau du monde espagnol de l'édition, que vous dire, je ne sais pas si je peux mettre un grand écran. C'est un marché dynamique, c'est le quatrième marché européen qui souffre également d'une peut-être surproduction, comme un peu le marché français, et avec une très forte prédominance du livre papier sur les autres types de livres digitales ou évidemment podcast. Donc là, quelques petits chiffres, on a 2,5 milliards pour le chiffre généraux des maisons d'édition, donc en dessous de, bien entendu, de la France, mais avec un nombre de traductions qui demeure élevé, 926, et un marché de distribution fondé sur les librairies quand même indépendantes. Le même système que le livre français avec les 5% de remise et un prix moyen de 14 euros pour le livre. Pour le livre audio, on voit qu'à la faveur du confinement, on a une augmentation de 80% et que le profil type sont des femmes de 25 à 45 ans. Et aujourd'hui, 34% des Espagnols affirment avoir lu avoir écouté et lu un livre audio. Voilà, au niveau des ventes, une augmentation de 30%, même si le chiffre d'affaires global demeure quand même assez raisonnable. Sur le marché toujours du livre audio, il y a quand même les deux grandes maisons qui prédominent le marché papier sont encore très présents, le groupe Planeta et le groupe Penguin Random House. Bon, la place de la traduction, l'Espagne se tourne principalement vers l'Europe et les États-Unis, mais l'anglais est la langue la plus traduite, suivie du français et de l'allemand. Donc, nous avons pu voir qu'il y a des opportunités qui se sont créées pour un marché en développement, avec quand même un développement important au niveau de l'Amérique latine. Et donc, en fait, on a souhaité réunir autant des professionnels français qu'espagnols pour savoir quels étaient un peu les écosystèmes des uns et des autres et quelles étaient les manières de travailler le livre audio pour la France et pour l'Espagne. À noter également un système qui s'est développé au niveau des politiques publiques qui s'appelle le bono cultural, qui ressemble un peu à notre passe culture et donc qui peut aussi apporter des opportunités au niveau des achats de livres audio. Alors, je voulais juste vous donner quelques chiffres pour vous montrer combien le marché du livre espagnol au niveau du livre audio a quand même est en pleine croissance. Voilà, en 2017, voilà le nombre de plateformes qui existaient. Et en 2022, voilà le nombre de plateformes qui existent. Donc, on est passé de 6 à 7 plateformes à plus d'une trentaine. Donc, cela démontre un véritable intérêt de tous les acteurs du livre, mais également des diffuseurs. Et donc, c'est à ce niveau-là, et là, je vais vous montrer une autre carte de l'industrie d'audio en Espagne, c'est toutes les entreprises qui sont concernées, depuis les plateformes, le service, les créations. Donc, vous voyez, ça concerne de plus en plus d'acteurs espagnols. Et donc, il était intéressant, en fait, de comprendre comment ceci pouvait influencer les relations entre éditeurs français et espagnols. C'est pour ça, nous avons développé cette journée, nous avons proposé cette journée en lien avec le Bureau international de l'édition française. Alors là, j'ai mis que les maisons françaises, Albin Michel, Audiolib, le groupe Flyard, Gallimard, Flammarion et évidemment nos amis de Plume de Paon. Donc, durant toute une journée, l'idée était de partager en fait les visions, comment développer le livre audio, quelles étaient les influences aussi sur les cessionnaires de droits, comment faire pour travailler à nouveau pour multiplier les ventes. Et c'est pour ça que nous avons organisé une journée autour de 5 axes. En premier lieu, il y a eu un panorama autour du livre audio et pour un petit peu comparer ce qui se faisait.
et pour imaginer en fait le livre audio comme un relais de croissance, tant pour l'édition espagnole et française que dans les échanges entre l'édition française et espagnole. Cependant, surtout dans le cas espagnol, il n'y a pas de modèle de production stabilisé et pas de modèle économique, et le coût de production demeure élevé, ce qui fait que les grandes maisons sont prédominantes. Les enjeux lors de la seconde table, nous avons évoqué les partages de la valeur entre les différents acteurs de la chaîne du livre. Et là, Laure Saget, la directrice de chez Madrigal du développement d'audiolivres, et du directeur de, et qui est aujourd'hui la présidente de la commission du Centre national du livre, et Raoul Pérez, le directeur du développement digital e-book de Planeta, ont partagé leur opinion. Alors, il faut savoir que, par exemple, ce grand groupe Planeta, qui est le premier groupe espagnol, ne propose que de l'abonnement en illimité. Quand, évidemment, du côté de Madrigal, c'est plutôt une volonté de développer, au contraire, la vente, j'allais dire, soit à l'unité, soit en abonnement non illimité, pour que justement il y ait un partage de valeur et qu'en fait, ce ne soit pas que les plateformes et que les diffuseurs qui donc puissent, j'allais dire, avoir la plus grosse part du gâteau, excusez-moi, pour l'expression. Et les deux grandes maisons ont évoqué évidemment le modèle de Storytel, qui est donc un abonnement limité à des heures par mois, qui paraît être un peu un modèle très vertueux. Et voilà, donc alors du côté de Planeta, eux évoquaient la volonté de faire un abonnement illimité en disant que cela permettait de produire plus d'ouvrages et en particulier de produire des ouvrages de fond et d'éviter seulement la vente de best-sellers et que le livre audio ne soit pas juste une vente de best-sellers mais aussi permettre la création d'ouvrages, notamment d'ouvrages classiques. Au niveau français, on a quand même bien relevé qu'il était important de définir les critères pour avoir une juste rémunération et que tous les acteurs de la chaîne du livre puissent être rétribués de manière juste et équitable. Lors de la troisième table, on a travaillé sur l'évolution des cessionnaires de droits, des chargés de droits, avec Solène Chabanet, qui est donc la directrice des droits étrangers chez Albin Michel, et avec une maison très prestigieuse, Anagrama, qui était représentée par son directeur marketing et digital, Raphaël Luna, et Jane Pilgrim. Et c'était en fait l'idée de savoir comment faire pour les acheteurs et les cessionnaires de droits, comment de nouveau travailler les contrats, voir quelles étaient les nouvelles obligations qui pouvaient être demandées, qui pouvaient aussi contraindre l'acheteur de droits. Ce qui a été relevé une fois encore, c'est la nécessité en fait de mener les négociations ces nouvelles négociations obligent en fait les chargés de droits d'avoir de nouvelles compétences, de travailler davantage le contrat premier et d'ajouter aussi des clauses notamment temporelles pour être certain d'assurer l'exploitation de droits des livres audio. Évidemment, il a été souligné que l'idée, c'est quand même de travailler entre pairs, c'est-à-dire entre éditeurs, et de ne pas vendre directement à des plateformes de diffusion, puisqu'à ce moment-là, l'éditeur vendeur perdait en fait un droit de regard et sur son catalogue. Ensuite, nous avons évoqué les enjeux et les défis en fait pour le livre jeunesse avec Stéphanie Simonin, donc directrice commerciale et marketing de Audio chez Bayard, et ensuite avec Mariana Fejed, donc pour la plateforme Bookwire. Et l'idée, c'était de voir comment le livre jeunesse pouvait être diffusé de manière qualitative. Et là, on a évoqué les nouveaux formats, notamment ces espèces de petits, je ne sais pas très bien comment ça s'appelle, ces espèces de petites choses qu'on peut écouter en fait et qui permettent aux enfants d'écouter des histoires, mais également de les éloigner des écrans. Donc, il y a quelque chose quand même de très vertueux dans le livre audio et ces nouvelles technologies qui peuvent s'implanter en fait et être adaptées à une tranche d'âge, surtout, notamment pour les tout-petits. Et ensuite, nous avons terminé sur le type de médiation pour les livres audio avec Valérie Lévy-Soussan, directrice d'Audiolivre Hachette Livre,
avec Cécile Paluzinski et Angela Alvarez, directrice du département audio de Penguin Random House, pour voir comment faire pour faire connaître le livre audio, notamment pour les publics un peu éloignés de la lecture, et comment ce livre audio peut devenir un instrument pédagogique à part entière. Il a été aussi noté l'évolution des prescripteurs, avec une moindre place des libraires, sauf peut-être pour le livre jeunesse, mais une part de plus en plus importante des bibliothécaires et des médiathécaires et tout ce qui était autour de la lecture publique. Il a été noté aussi l'importance de l'usage des réseaux sociaux pour faire connaître les livres audio. Et également, il a été souligné l'importance de la qualité des livres audio et qu'il est important de privilégier des voix humaines aux voix de synthèse, et qu'ensuite le développement des livres audio devait être fait de manière concomitante avec le livre, notamment format livre papier, pour assurer un plus grand succès commercial. Donc, de tous ces échanges, en fait, ça nous a permis de voir les différents écosystèmes, les différentes questions que le monde du livre espagnol se pose. À noter que dans cette journée, nous avons réussi à faire asseoir ensemble Planeta, Penguin, Random House, qui en général ne sont jamais ensemble. Et ils étaient ravis en fait, de pouvoir échanger et de voir qu'il y avait des choses en commun. Alors, une grosse information que j'ai oublié de vous dire, c'est quand même que Planeta promeut le système donc, de souscription illimitée, quand Penguin Random House ne veut vendre des livres audio qu'à l'unité. Donc, ça permettait aussi d'avoir une confrontation des modèles et de permettre en fait, de voir que plusieurs modèles peuvent exister, mais l'idée est toujours que eh bien, la chaîne du livre puisse, que la répartition de la valeur soit possible pour tous les acteurs de la chaîne du livre. Quelle suite a donné à avancer ensemble? On s'est proposé de se donner rendez-vous d'ici, donc c'était en novembre, d'ici 2 ans, pour reparler, pour voir ensuite comment on peut travailler, notamment pour ces histoires de modèles, voir si les modèles que promeut les éditeurs français sont possibles à appliquer en Espagne, et évaluer encore les risques des abonnements illimités versus les modèles alternatifs. Voilà, donc c'était une journée très riche qui a permis un peu de soulever le capot, de voir un peu comment les uns les autres fonctionnaient, de se parler un petit peu, j'allais dire, en toute franchise, puisque ce n'était pas évident pour les éditeurs espagnols. Les éditeurs espagnols n'ont pas cette même, j'allais dire, capacité que les éditeurs français à travailler, à être très, j'allais dire, avoir le syndicat national du livre, être en commission, avoir ce travail très structuré. Et ce genre de journée, eh ben, justement, permet d'avoir un peu une discussion sur le métier du livre et sur l'avenir donc, du livre audio. Voilà pour moi. Merci beaucoup Isabelle pour toutes ces informations du terrain qui montrent à quel point en fait, le travail du réseau culturel, son expertise pour cartographier les territoires sur lesquels vous travaillez sont, nous l'espérons, précieuses pour l'écosystème français. Y a-t-il quelques questions pour Isabelle Bernoron? Non, pas de questions. Nous avons commencé avec du retard, nous cavalons pour essayer de le rattraper. Mais nous avons oui, c'est pour ça que j'étais très rapide. Mais oui, merci beaucoup Isabelle. et après, si vous avez besoin des informations, je peux les donner, mais autant, voilà, sinon ça va être plus longtemps. Oui, et puis nous pouvons donner ton contact, évidemment, si des personnes souhaitent te échanger avec toi plus précisément. Je passe tout de suite la parole à nos amis de la Tunisie. Merci, je vais vous mettre ce que je vais faire pour la présentation. C'est ça. Donc, bonjour tout le monde. Donc, je me présente, je suis Nadana Jaï, la directrice de l'Alliance française de Bizerte en Tunisie. Donc, rapidement, je vais parler du réseau francophone tunisien, IFAF. Donc, on est 6 alliances françaises, 3 instituts français
et au total une vingtaine de centres de langue qui couvrent à peu près 90% du territoire tunisien. Avec mon collègue de l'Alliance française de Djerba, on va essayer de parler des actions et programmations livres audio du réseau culturel francophone tunisien. Donc on va essayer de synthétiser. L'objectif de mettre en place des actions pour la promotion du livre audio en Tunisie, c'est d'abord d'encourager bien sûr à la lecture, parce que donc, dans le réseau tunisien, on est... neuf médiathèques, c'est ça, médiathèques entre IFAF, favoriser bien sûr l'apprentissage de la langue française, d'où notre intérêt pour les utilisations pédagogiques du livre audio en classe de FLE. Bien sûr, promouvoir la culture francophone, sensibiliser à l'accessibilité et à l'inclusion, et puis créer aussi des partenariats et encourager à la créativité. Alors, la première action, c'était en 2019, avec La Plume de Pan. J'ai présenté à l'occasion donc, le bilan d'une expérimentation du livre audio en classe de FLE, donc dans cette classe dans les Alliances françaises de Tunisie. Et à partir de là, en 2019, le réseau tunisien a organisé à peu près une trentaine d'actions et événements autour du livre audio de 2019 jusqu'à aujourd'hui. Donc festival et événements. Donc la Médina francophone, donc il y a un festival qui est destiné à un jeune public. Donc il y a eu plusieurs ateliers d'apprentissage de la langue française autour de plusieurs thématiques dans le livre audio. J'ai fait plusieurs interventions avec un retour sur l'expérimentation du livre audio en classe de français et donc les usages pédagogiques du livre audio. Ça c'était en 2021. L'Institut français de Tunis et l'Alliance française de Bizerte ont organisé conjointement le festival du livre audio et du podcast en ligne avec des lectures à voix haute, des rencontres avec des auteurs et puis aussi la diffusion d'un podcast enregistré par Emna Rassa sur l'œuvre de Saint-Exupéry, Le Petit Prince, en dialectal tunisien. Salon du livre audio en Tunisie, dans sa première édition, a été organisé par le réseau des Alliances françaises de Tunisie, les 6 alliances, avec des rencontres professionnelles, les premières rencontres professionnelles du livre audio en Tunisie, des animations avec des ateliers de lecture à voix haute, des castings de la voix, etc. Alors ensuite, la semaine du son de l'UNESCO, donc Yacine en a parlé tout à l'heure un peu, donc il y a eu aussi c'est un événement qui a été organisé en marge du sommet de la francophonie à Djerba, avec les deuxièmes rencontres professionnelles du livre audio. Il y a eu plusieurs tables rondes autour du livre augmenté, l'entrepreneuriat dans le secteur du livre audio livre audio, métier de l'audiovisuel, pardon, création sonore et médiation, et avec aussi des ateliers de formation et un parcours sonore qu'on avait organisé dans la ville de Bizerte. Je voulais juste dire un truc par rapport à cette édition-là particulière qui a vu justement l'intégration du volet professionnel de manière sérieuse sur le déroulement des activités, le volet professionnel qui est la clé de voûte justement du déploiement du projet de manière générale. Alors, il y a eu une table de synthèse dans le village francophone, donc au moment du sommet de la francophonie, avec un bilan des journées et des événements qui ont été organisés tout au long de cet événement. On a présenté aussi un bilan de la semaine du son à l'occasion des rencontres pro du Centre national du livre à Paris en décembre 2022.
Ensuite, Foire internationale du livre de Tunis, avec une table ronde autour de, voilà, du livre audio en Tunisie état des lieux, organisé par l'Institut français de Tunisie. Le bilan du salon du livre audio qui a été aussi donc présenté à l'occasion des deuxièmes rencontres pro du livre audio à Strasbourg. On a organisé aussi, on a participé à la foire du livre scientifique à la Cité des sciences de Tunis avec voilà, des ateliers d'écoute de livres audio, des formations à l'enregistrement de podcasts. Foire internationale du livre du Tunis avec la présentation de deux éditeurs tunisiens de livres audio, bien sûr, Livox et Oritz. En termes d'ateliers de rencontres, donc au moment du confinement, donc il y a eu la diffusion de livres audio sur les réseaux sociaux de l'Alliance française. Je cite à titre d'exemple La peste écarlate de Jacques London qui et Cécile avaient assuré la direction artistique. Donc on a diffusé sur 7 jours, 7 chapitres, feuilleton à la radio, 7 chapitres en 7 jours. Voilà. Donc les élèves de l'Alliance française ont aussi participé à Prissatan, donc c'est, ça veut dire histoire, c'est le hackathon, mais voilà, avec la traduction dialectale tunisienne de histoire, donc Prissatan. Donc on avait organisé un atelier Scratcher vos contes, la création, avec un atelier de création de livres audio à la médiathèque de l'Alliance française, et donc l'élève était finaliste à ce concours qui est un projet soutenu par l'Institut français de Tunisie qui a réuni plus de 400 élèves sur tout le territoire tunisien. Lecture d'oreille, c'est une série de podcasts qu'on avait créé à l'Alliance française. L'idée c'est d'encourager une écriture créative et par la suite une lecture à voix haute avec bien sûr une formation à la création de podcasts dans les centres de langue. À l'occasion de Flaubert 21, plusieurs ateliers ont été organisés, des ateliers numériques d'écriture et de lecture à voix haute, avec un enregistrement des voix autour d'un extrait de l'œuvre de Flaubert, Salammbô. Parcours sonore, qui a été organisé en marge de la semaine du son de l'UNESCO en Tunisie, avec une visite et une découverte des lieux emblématiques de la ville de Bizerte, avec les participants ont pu accéder à des QR codes avec un enregistrement de podcast qui retrace un peu l'histoire de ces lieux. Lecture rencontre de la version audio de la trilogie de Carthage de Sami Mokanem, réalisée avec le soutien de l'Institut français dans le cadre du projet Livre de Derive. Une première rencontre a été organisée dans les Alliances en janvier 2022 et ensuite le 2 mai à l'Institut français de Tunisie. Alors, en termes de formation, suite à l'expérimentation du livre audio en classe de FLE, donc on a été approché par Culture Tech pour faire la didactisation de livres audio en lice pour le prix du livre audio. Donc on avait réalisé des fiches pédagogiques. C'est des livres audio sur la plateforme de Culture Tech, clé en main pour les enseignants. Donc en plus du livre audio, on leur propose des fiches pédagogiques adaptées au niveau du cadre européen commun des langues. Dans le cadre des ateliers de l'IF en ligne, j'avais présenté aussi lors d'un webinaire un petit retour sur cette expérience en Tunisie.
À l'époque, j'étais coordinatrice du réseau des alliances françaises, donc j'ai un peu piloté cette expérimentation dans le réseau tunisien. Atelier podcast, donc animé par Cécile, au moment de... Donc, à Bizerte et ensuite donc au moment du sommet de la francophonie, là c'est le stand de France au village francophone voilà, à Djerba. Alors des formations pour les enseignants de FLE aussi donc, du réseau IFAF, donc à l'Alliance française de Djerba et de Bizerte en hybride. Et par la suite, à l'occasion du séminaire de rentrée à l'Institut français, donc j'ai formé donc une équipe d'enseignants du réseau IFAF à l'utilisation du podcast et du livre audio en classe de FLE. Donc voilà, lettre de motivation audio, je te laisse en... tu peux en parler si tu veux, Yessine. Avec plaisir. Donc en fait... J'ai pris les fonctions de directeur d'Alliance en septembre 2021. Et donc, je devais composer le pool pédagogique. Et donc, voilà, donc, comment dire, appel à candidature, donc des candidatures à foison. Et à un moment donné, je me suis rendu compte que, d'abord, il y avait un manque énorme, en tout cas en termes d'enseignement, en termes de qualité d'enseignement du français, mais également que la partie entretien oral, ce qui permettait en tout cas de détecter la qualité de diction de l'enseignant me prenait beaucoup de temps. Donc, à un moment donné, on s'est dit, on va essayer de compresser ce temps-là en demandant aux enseignants, en tout cas aux candidats, de nous envoyer une lettre de motivation audio. D'une part, donc, il y a eu un gain de temps sur le traitement des dossiers du PIPA, mais d'autre part, ça veut dire que les candidats qui jouent le jeu, ou en tout cas qui auraient joué le jeu, sont potentiellement, compétents en termes de numérique et d'enregistrement, etc. Ce qui pouvait être corrélé en tout cas avec des avec ce qu'ils pouvaient faire éventuellement en classe. Donc on a eu des candidatures, ça nous a énormément en tout cas aidé dans le choix des candidats à l'enseignement du FLE, et c'est une expérience en tout cas très intéressante, et on continue de recevoir aujourd'hui des candidatures audio, même pour d'autres fonctions qui sortent du pédagogique. Donc ça nous fait un pont extraordinaire avec les perspectives. Donc comme vous l'avez constaté, non, ça va, c'est bien. Comme vous l'avez constaté, donc l'axe en tout cas qui nous est cher en ce moment, c'est l'axe de la formation. Pourquoi ? Parce que c'est à partir de là que les compétences sont vraiment valorisées. Et c'est à travers justement la formation que les acteurs, en tout cas, de toute la chaîne, peuvent être, peu importe à quel niveau de la chaîne, en tout cas, pourront être identifiés. Donc la formation, et encore la formation, et d'ailleurs la semaine du centre de l'UNESCO, a initié aussi une idée qui sera très probablement déployée cette année, c'est le prix de la meilleure production sonore, et ce sera avec la LSA, l'étude de l'école supérieure d'audiovisuel de Gamart sur les collines de Tunis. Donc voilà, ce qu'il faudra également, à mon sens, développer, c'est les meetings, c'est les rencontres en tout cas des professionnels, en tout cas de ceux qui cherchent à se lancer dans les projets entrepreneuriales de niveau audio. Encore une fois, peu importe à quel moment de la chaîne, parce que j'ai une langue et longue, et les métiers, les articulations entre les différents métiers ne doivent pas forcément tout le temps se faire de manière optimale. Et donc du coup, c'est bien de mettre tout ce beau monde-là au même endroit, un peu comme ici, parce que ça permet de créer de nouvelles dynamiques et de se comprendre les uns les autres. Il y a aussi, alors sur un plan plutôt professionnel dans nos alliances respectives, c'est, comme je l'ai dit par rapport aux candidatures audio, c'est d'intégrer en tout cas l'esprit audio de plus en plus, en tout cas dans notre fonctionnement interne, et surtout du côté pédagogique, parce que le FLE, c'est évidemment l'enseignement, c'est paralinguistique, et puis
régionale, donc en termes de disponibilité d'enseignants, en tout cas d'enseignants de qualité. Ce n'est pas toujours évident, donc il nous faut nous-mêmes prévoir aussi notre vivier d'enseignants, de former nos enseignants, pour qu'ils puissent aussi transmettre, en tout cas réaliser des formations de qualité. Dernier point, c'est le festival Tazoir, qui est un festival en tout cas, qui permettra aux jeunes Tunisiens et aux personnes qui portent le projet de collecter les contes berbères oraux qui n'ont jamais été retranscrits jusque-là, qui ne sont pas du tout enregistrés nulle part. Et donc, ce festival, enfin, le travail de collecte arrive en amont, en tout cas, du festival. Et ce sera un festival pour rendre hommage, en tout cas, à l'oralité, rendre hommage aussi à toutes ces histoires qui ont traversé les siècles et sans pour autant être enregistrées sur quelconque support. Voilà, donc, vous en saurez plus très prochainement, j'imagine. Puis je sais que tout le monde a faim et vous êtes fatigué de cette très longue journée. Mais je crois qu'il y a des mecs qui voudraient rajouter. Rapidement, je voulais te dire que bon, donc tous ces projets ne sont pas exhaustifs parce que donc on n'a pas de visibilité sur les projets des autres collègues dans le réseau. Donc là, c'est vraiment donc la programmation à Vizer Djerba. J'aimerais juste parler du quai des accents francophones et des ateliers de l'AF. Le Quai des Accents francophones, c'est un festival. Les ateliers de l'AF, donc, c'est des ateliers de formation en Alliance française. Donc, l'idée, c'est d'accompagner les jeunes, de professionnaliser dans le secteur culturel. Et donc, le festival et les ateliers tournent autour des métiers de demain, donc intelligence artificielle, donc création. CC, industrie créative et culturelle. Et voilà. Donc, si vous voulez plus d'informations, donc, n'hésitez pas à nous écrire. Et voilà. Merci beaucoup, Yacine et Nana, pour cette présentation. Là, l'objectif de cette séquence était de vous montrer comment. En travaillant avec le réseau culturel français à l'étranger, on participe à la diffusion du livre audio et aux réflexions qui tournent autour de la structuration des différents marchés du livre audio, à la fois en France et à l'international, pour accompagner au mieux aussi cette filière dans sa projection à l'international. Merci beaucoup, parce que c'était très très riche. Voilà, et je laisse la parole à Marianne, non ? Non. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Bon appétit.